Les gars, le dernier à manger gagnera 1000 euros! Oui, les gars, il est interdit de manger quoi que ce soit! On peut boire de l'eau, du coca, des boissons énergisantes et tout le reste, mais pas de la bouffe! On ne peut pas manger de chocolat, ni de fruits, ni de chips! Rien du tout, du tout! Vous imaginez cela comment, les mecs? Vous êtes normaux, c'est un défi un peu trop chaud! J'ai un peu peur pour te dire la vérité, mais quand même, un tout petit peu, on peut en manger ou pas du tout! Non, non, Raphaël, je suis désolé! Que dalle! C'est trop dur, les gars! Donc maintenant, on va au magasin et on achète ce qu'on veut! Bien sûr que des trucs à boire! Des jus, des boissons énergisantes, mauvaises pour la santé, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est parti. On y va. Et les gars, vous vous inscrivez pour rejoindre GL Army. Allez, à toutes. Nous sommes devant la supérette. Allons voir ce qu'on va acheter là-bas pour survivre. Allons-y. Raphaël, je te propose de prendre du jus de fruits, des trucs comme ça. Je veux dire, des trucs qui remplissent le ventre plus longtemps, avec plus de calories. Moi, je vais prendre une boisson énergisante, par exemple, parce qu'elle contient des calories et qu'elle te donne de l'énergie. Oh oui, excellente idée. J'aimerais bien prendre aussi, mais malheureusement, je n'ai pas 18 ans. C'est interdit pour ceux qui ont moins de 18 ans. Allez. Alors moi, les amis, je vais au supermarché et je prends du cacao. Mais pas du cacao ordinaire, mais du cacao avec des protéines. C'est très malin parce que le cacao avec des protéines va m'apporter des calories, donc je n'aurai pas faim, donc je ne vais pas avoir envie de manger. C'est très malin. Regarde ça. Et alors, j'ai pris le parfum vanille et c'est censé être très très bon. Et il y a des protéines dedans, les gars. Et en route pour la victoire. Mes amis, je veux prendre une boisson énergisante, mes amis. Mais la meilleure boisson, je vous le dis honnêtement, c'est l'eau. L'eau naturelle nous donne de l'énergie. Vous savez, comme le soleil, comme l'air, de l'eau, encore de l'eau. C'est comme ça que je vais gagner. Vous verrez, les amis. Donc j'ai pris ce soda et je vais aller chercher un peu plus d'eau. Je vais gagner ce défi et j'empocherai 1000 euros. Ces boissons me suffiront pour une journée. Donc les gars, je suis sur le point d'acheter quelque chose de vraiment bon. Quelque chose avec beaucoup de calories. Bien sûr que je vais prendre un Coca-Cola, les gars. Pas du Coca-Zéro. En fait, d'habitude, j'en bois, les gars. Mais comme j'ai besoin de calories, je vais prendre le classique qui contient beaucoup de sucre. Ah, les gars, j'ai une idée pour gagner de manière intelligente, astucieuse, mais je vous le dirai plus tard, là c'est trop tôt. Le voici, mon jeu préféré. Les amis, j'adore ça, vous n'avez pas idée. Les gars, on ne peut pas manger des fruits, mais on peut les boire. Regardez, nous avons des jus de fruits et je vais prendre mon préféré, avec l'ananas, mes amis. Le jus d'ananas est fait à partir d'ananas et je ne le mange pas, je le bois, mes amis, parce que je suis très futé. Et bien sûr, j'ai beaucoup de boissons énergisantes à la maison qui contiennent des calories et me donnent de l'énergie. Et donc j'espère que je vais gagner. Les amis, le but du défi est de ne rien manger. Donc j'ai choisi ce défi pour les piéger. Mes amis, afin de gagner, je prendrai autant de nourriture que je veux, mais je le ferai discrètement pour que personne ne le sache. Et quand ils auront faim, ils ne pourront pas continuer. Je mangerai lentement et je gagnerai parce que je suis Stas le papa, un vainqueur. Juste mes amis, ne dites pas que dans les commentaires, n'écrivez pas que je suis un tricheur. Je vous en prie vraiment. Et je vais aussi prendre du thé et quelque chose de pétillant. Parce que le pétillant me donne envie de boire plus souvent. J'ai aussi mon thé préféré. Je vais prendre un autre boisson au cas où. Mes amis, Dimon doit être ici quelque part aussi. Et je dois faire attention à ne pas laisser me voir. Mettons ça dans ma poche tranquillement, donc... Personne ne saura rien et je gagne. J'ai pris un Fanta et devinez quoi? C'est sans gaz parce que c'est bleu. Et comme ça, je gagne à coup sûr. Ah, les amis, regardez, j'en ai un énorme sac. Je vais gagner ce challenge. Il a seulement pris un monster. Tu n'as pas assez pour une journée. Raphaël est très 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 intelligent. Regarde ce que j'ai pris, un monster. Oui monsieur, je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois pas. Et voici l'eau. L'eau c'est la vie, sache-le. L'eau transmet l'énergie du cosmos directement du ciel. Quoi? J'attendais pas à ça de la part de Raphaël. Il a assez pour toute une année avec son eau. Alors mes amis, mon plan est très simple. Je vais boire du jus qui me donne de l'énergie. Je vais aussi boire du cacao qui me donne de l'énergie. Du chocolat, cacao. Et j'ai des protéines aussi, ça me donne aussi de l'énergie. Et surtout, je vais jouer à des jeux. Et quand je joue à des jeux, je ne peux pas manger parce que je pense aux jeux. Je suis malin les gars, je sais. Allez, commençons les jeux. Go, 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 go. Allez, allez, vas-y, vas-y. Ah, c'est pas grave. C'est bon les gars, on continue avec plus de puissance. Boire tout en prenant de l'énergie. Ah. Donc, je suis venu ici pour travailler. Et quand je travaille, j'ai pas très faim. Premièrement, j'ai pris un monster. Et beaucoup d'eau. Un monster, c'est de l'énergie chimique qui vient d'une usine. Je ne sais d'où. Je vais commencer par monster pour prendre de l'énergie et continuer avec de l'eau. Très malin, mes amis. Ouais, l'eau m'aide toujours à travailler comme ça.
Les gars, je suis seul dans la pièce, j'ai toute ma bouffe ici, n'écrivez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, n'écrivez pas. N'écrivez pas que je suis un tricheur. Et c'est ici que je prends mon Coca-Cola. Si quelqu'un vient, mes amis, je prendrai un oreiller et je cacherai tout ici. Il n'y a absolument rien à voir, c'est comme si j'avais trompé personne. D'une manière ou d'une autre, je vais gagner le concours Easy Peasy, Lemon Squeezy. Je vais mélanger, regarder GL Show à la télé, quoi d'autre? Et gagner juste comme ça. Mes amis, je vais aller me coucher maintenant et quand je vais me réveiller, je commencerai à boire. En général, si je m'endors, je ne sentirai rien, je n'aurai pas envie de manger. Et comme ça, je tiendrai plus longtemps. Un life hack de la part d'Odyssée. Ah. 1 hour later. Oh mes amis, je suis fatigué de jouer, j'ai une autre idée. Je vais m'allonger au lit et regarder des films, des conneries et encore des conneries. Pas besoin de manger parce que j'ai des boissons et des protéines. Oh comme je suis malin, comme je suis malin. Bref, allons nous reposer. Super les gars, et bien sûr si j'ai faim et que j'ai besoin d'énergie, j'ai de l'énergie. Et c'est pourquoi je vais bien, je vais prendre des protéines. Très savoureux, ça a un bon goût. Mais ça me donne aussi de l'énergie, je vais regarder un film. Alors mes amis, ça fait environ une heure et la sensation de faim se fait ressentir. Et je commence par mon plan A. Je vais ouvrir mon Monster. Faut être prudent, vous savez pourquoi? Si vous renversez du Monster sur votre ordi, il est mort. Alors, parfait. Ouais, c'est bien. Ça me suffira pour longtemps. Tout le monde se casse, je me débrouille. Bon appétit les potos, et regardez GL Show et buvez à ma santé. Voilà la vie les amis, et ce défi est vraiment trop simple. Je m'en demanderai d'où il commence à avoir faim ou pas. J'ai vraiment la dalle hein, et surtout je veux gagner 1000 euros parce que je suis Stace le papa, Stace le papa. Pam, pam. Oh, 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 oh. Oh les amis, c'est vraiment trop cool, et vous aussi, vous aimez les cacao, moi je kiffe. De toute façon, quand on bosse, on a envie de manger beaucoup plus, je le sens. Je ne le pensais pas au début. Mais j'ai bu un Monster, et de l'eau aussi, et il faut que je change quelque chose. Je veux aller jouer à un jeu. J'ai commencé quand j'étais petit, et je joue toujours à ce jeu. Je suis constant comme mec. Je suis Rafario. Je ne change pas mes principes comme ça, facilement, ok? Jamais, jamais. Ne jouez pas avec Rafario, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Vous êtes dans GL Army, pour toujours. Vous êtes d'accord? Pour moi, pour vous, c'est comme ça qu'on gagne. Ouais. Eh les gars, je joue et je bois du cacao, je veux dire presque du chocolat, juste pour prendre de l'énergie et ne pas avoir faim. Allez, 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 coupez-moi ça, là, 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 je vous le dis. Heureusement que je bois de l'eau et que j'ai de la force et que je n'ai pas faim. Mais j'ai une envie pressante, les amis. C'est bon ou c'est mauvais, je sais pas. Bref, je monte. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, Stas. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Rafario, c'est juste pour faire joli. Je n'ai rien mangé. Je bois du coca. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Je bois juste du coca. Ça, c'est quoi? C'est du chocolat? Tu vois? Ça doit être quelqu'un qui l'a croqué avant. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'était ouvert avant le défi. Mes amis, c'est de la triche. La triche. Écrivez dans les commentaires que Stas est tricheur. Non, 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 non. N'écrivez rien, mes amis. Il a perdu. Stas a perdu. Écrivez-le dans les commentaires. Non, Rafario. Rafario, nous faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux négocier avec moi? Je comprends pas. Écoute, Rafario, je te donne la moitié de ma bouffe et ce sera notre secret. T'es d'accord? Et nous partageons les gains en deux. Une moitié pour moi et une moitié pour toi. Alors attends, tu insinues que je suis une si mauvaise personne capable de faire ça? C'est ce que tu veux dire? Allez, répète-le. Ouais, ça sent pour moi, ça sent pour toi et on mange tout ensemble. Je suis d'accord. Oh oh oh, Rafario, nous sommes dans la même équipe maintenant, top là. Ouais, ouais, mon frère. Mais vous, les amis, vous n'écrivez rien dans les commentaires de ce que je vous ai dit auparavant. Oubliez-le. Ouais, supprimez les commentaires où Rafario dit que ça, c'est un tricheur. On est civilisés, nous. Bien sûr. Rafario, regarde. J'ai une idée de malade, Rafario. Nous allons arnaquer Odyssée, mettre des bonbons à côté de lui pendant qu'il dort. On lui laissera des bonbons, puis on le réveillera en lui disant « Oh, Odyssée, je fais ce tricheur, tricheur !» Et il perdra. Je suis d'accord. Alors, prenons cela que j'avais mangé juste avant et posons-les à côté d'Odyssée, juste à côté de lui. Attends un peu, ne sois pas si pressé. J'en mange encore un bout, c'est bon maintenant. Oui, et ensuite, on le réveillera et on lui dira qu'il a triché, et on gagnera. Odyssée tricheur. Oui, 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 oui. Super, à 3, Rafario, tricheur, tricheur. Et engueule-le, Dimon viendra et verra. Ouais. Allez, à 3, 1, 2, 3, tricheur. Oh mon dieu. Dimon, tricheur, viens vite, oh mon dieu. Tricheur, qu'est-ce tricheur. Qu'est-ce qui se passe? Tricheur, qu'est-ce qui se passe? Tricheur.
de viande de cela. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Fisher. Oui, Dimond, c'est ce que tu vois. Il a voulu nous avoir. Ouais. Merde, Odyssée, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Dimond, tu me connais, je sais pas comme ça, je dormais. Oui, Odyssée, nous t'avons vu. Nous sommes montés ici, on t'a pris en flagrant délit avec des bonbons et tes chips que tu mangeais. C'était d'abord Stas qui t'a vu, puis je suis entré et je t'ai vu et j'ai appelé Dimond. Ouais, à trois. Trois, on est trois à t'avoir vu. T'as tu perdu en gros. Ah, on se reverra. T'as perdu. Mes amis, que vient-il de se passer? J'ai fait quoi? Je me souviens que je me suis endormi et je ne me souviens de rien d'autre. Je n'aime pas du tout ces chips, c'est sûr. Je n'achèterai jamais. Je prends toujours des chips au ketchup. Ils ont vachement meilleur goût. Oh, les amis, bizarre. Odyssée s'est endormi et je veux vous dire, honnêtement, je ne crois pas qu'Odyssée puisse tricher. J'y crois pas. Alors réfléchissons. Bien, Odyssée, il est gentil. Et le Stas est méchant. Et Raphaël aussi, il est méchant. Odyssée est endormi. Peut-être que les amis, c'est Stas et Raphaël qui ont conspiré pour piéger Odyssée. Peut-être que c'est un gros coup mondé. Je crois que j'ai une idée, mes amis. Regardez ce que je vais faire maintenant. Donc, je mets une caméra cachée dans ma chambre et je vais me coucher et je vais le dire à Stas et à Raphaël et j'attends qu'ils viennent dans ma chambre et me glissent des bonbons aussi pour me piéger. Et quand ils le feront, je gagnerai, les gars, parce que je suis très intelligent et c'est comme ça que ça se passe. Et abonnez-vous si vous êtes intelligent comme moi. Alors, préparons notre équipement maintenant. Super, voici la caméra cachée, mes amis, je la laisse ici. Et maintenant, mes amis, allons leur dire que je vais me coucher. Raphaël, la vie est belle, hein? Les gars! Les gars, je vais me coucher, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, ne criez pas, s'il vous plaît. Tu veux un cola? Oh non, j'ai déjà bu beaucoup de tout, du cacao et des pleins de trucs, je ne veux pas, merci. J'ai bu du coca toute la journée. Vous avez entièrement heureusement, bref, passez une bonne nuit, les gars. Hop, dans ma tête, j'ai une idée qui est arrivée, Raphaël. C'est quoi ton idée? Dimon a dit qu'il allait se coucher, non? Ouais. Nous lui donnons 20 à 15 minutes pour s'endormir, ensuite nous lui jetterons des bonbons et dirons que Dimon a perdu. Cela signifie que le gagnera. Moitié. Eh ouais. Je suis d'accord. Bravo, Raphaël. Super, mes amis. J'espère que mon plan va se réaliser. Allez au lit comme ça. Oh. 20 minutes later. Raphaël, je pense que ça fait 20 minutes. Dimon devrait être profondément endormi maintenant. On y va? Allons-y. Mes amis, ne dites rien surtout. Chut. Raphaël, il est endormi. Viens. Raphaël, quand on le réveillera, on lui dira qu'on a gagné et que c'est un tricheur. Vous êtes d'accord? Je suis toujours d'accord. Vas-y, Stas. Dimon, tricheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des bonbons. T'as mangé, c'est sûr. Quoi? Vous êtes pas mal, vous avez pété les plombs, je n'ai rien mangé. On t'a vu. Tu as perdu. J'ai perdu. Alors, Raphaël et moi gagnons 1000 euros. Odyssée et Dimon ont tous deux perdu. Allez, Raphaël, continuons notre défi. On va continuer le défi. Dimon et Odyssée sont des gros tricheurs. Oui. Oh, les amis, ils ne savent pas que j'ai fait. Je suis génial. Regardez, maintenant je vais leur montrer la vidéo. Ils vont pleurer et s'excuser. Très bien, on y va, allez. Très bien, c'est parti, je vais leur montrer la vidéo que j'ai faite. Raphaël, allez, maintenant l'un de nous doit jouer au perdant et nous partageons le but. C'est une facile, petite Raphaël. Minute, je vous ai eu. Qu'est-ce que tu veux dire, espèce de loser? Oui, t'as perdu. Bye, Dimon, bye, loser. J'ai perdu? Hein? C'est moi? Alors super, regardez maintenant ce que je vais montrer. Oh, Dimon, ok, t'as gagné, Raphaël, il nous a eu, mec. Très bien, prends la thune. C'est ça, les amis. Les plus intelligents gagnent toujours et les idiots et les tricheurs perdent. Et donc, si vous voulez être des gagnants et des gens malins, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge pour ne manquer aucune vidéo, mes amis. Et à bientôt.